Hello! Ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite. Quelques petits jours de vlog. Donc, on est jeudi, il est 10h30. Donc, là aujourd'hui, je pense que je vais pas maquiller déjà d'une parce que j'avais les yeux tout collés ce matin. Donc, j'ai mis le collier qui m'a filé. Donc, on va éviter. J'ai juste mis sur le visage un tout petit peu de ça pour le finir. Voilà, c'est pas adapté du tout à mon type de peau. C'était les sticks, vous savez, les sticks. D'ailleurs, il reste plus que ça. Donc, les sticks en fond de teint de chez Makeup Revolution. Donc, c'est la teinte F2. Donc, j'en ai mis un petit peu. Un peu pour faire un peu comme une bébé crème, une CC crème, juste pour me donner un petit peu de couleur. Comme là, je vais aller tout à l'heure vers midi chercher mes chaussettes de contention à la pharmacie. Et comme je vous l'ai dit, à la pharmacie, et comme ça, il y a un truc pour les animaux, il y a Picard, etc. Et il y a un genre de Carrefour Market, enfin un petit Carrefour, qui était un ancien Champion avant, il me semble. Ouais. Et donc, a été racheté par Carrefour. Donc, s'il n'y a pas trop de monde dehors ou quoi que ce soit, ou qu'il n'y a pas de queue, je vais aller chercher quelques petites choses. J'ai plus du tout d'infusion. Il me faut quelques petites choses en fruits et légumes. Il me faut plein de petites choses. Donc, comme ça, je prends juste un sac et ça permet, je remplis le sac. Voilà, je prendrai quelques petites choses. Notamment des petites. S'il y a des pains à burger, des choses comme ça. Si je retrouve de la levure chimique, enfin voilà, les choses qu'on trouve pas, j'ai plus de riz, enfin des choses que j'ai pas trouvées ou que mon mari a pas trouvées la semaine dernière ou il y a 15 jours chez Aldi, je sais plus. Donc je vais aller faire un petit tour. La voix, ça a l'air d'aller un petit peu mieux aujourd'hui, donc on va croiser les doigts. J'ai toujours pas mes résultats de prise de sang, m'avait dit que c'était entre 3 et 6 jours, donc voilà, on va attendre. Donc oui, alors ce petit truc là, c'est bien pour les. Si vous avez la peau sèche, parce que c'est ultra crémeux, donc c'est un fond de teint en stick, voyez, mais c'est ultra crémeux. Donc ça, c'était la teinte F2 pour ma teinte, pour moi ma teinte c'est parfait et c'est très crémeux. Donc moi j'en ai mis un tout petit peu sur mon visage, j'ai étalé au doigt, un peu comme une bébé crème et j'ai rien mis d'autre dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être comme ça, puisque à chaque fois que j'ai le masque, quand je sors, eh bien le masque déplace tout le maquillage, j'en ai plus sur le nez, enfin c'est une catastrophe. Donc je pense que les jours où je vais sortir, eh bien je vais pas mettre de masque, j'ai des cheveux partout. Ouais, j'ai des cheveux partout, donc voilà, j'ai attaché les cheveux. Les boucles d'oreilles, c'est pareil, j'en mets pas parce que ça me gêne quand je mets le masque. Donc j'en mettrai pas aujourd'hui, ni les petits bijoux. Quand je vais faire comme ça à l'extérieur, j'évite de contaminer mes bijoux. Voilà, et puis je pense que demain, je ferai un make-up de. Aïe! Un make-up demain. Donc voilou. Pour les petites news, sur le nez ça se met pas trop bien, mais de toute façon je vais avoir le masque. Donc c'est pas bien grave, peut-être juste en remettre un petit chouille, vous voyez, sur le nez comme ça. Un peu pour faire comme une bébé crème ou un fond de teint, enfin c'est pas bien grave. Apparemment aujourd'hui il va faire beau, j'ai vu que demain il faisait jusqu'à 26 degrés dans la région parisienne. Donc des températures très estivales. Donc je pense que demain midi, on va sûrement faire un petit barbecue. On va sûrement faire un petit barbecue, je pense. Donc ça serait cool. Donc je vais prendre, voir si je trouve des petites choses pour ça. Je vais mettre un petit peu de parfum. J'ai pas mis de parfum. Je sais pas ce que je vais mettre. Je pense mettre un de chez Nox, hein, comme je vous ai dit. Le bon plan est toujours d'actualité. Donc j'attends les miens, les trois petits que j'ai commandés. Et puis voilà, je pense qu'aussi cet après-midi, je vais finir de ranger tout mon plan de travail, etc. pour vous tourner le room tour. Puisque comme je vous l'ai dit, j'ai trié tous mes tiroirs sont triés. Donc là, c'est juste du rangement sur le plan de travail. Parce qu'au fur et à mesure, je me maquille, je pose, je pose, je pose. Il y a un petit cheveu qui doit me chatouiller là. Il est là. Il m'a chatouille, le petit cheveu. Et ranger un petit peu ce qu'il y a sur mon plan de travail, etc. Remettre les palettes dans les tiroirs et tout ça. Comme ça, ça sera propre. Et je pense que je pourrai vous tourner ça pour la semaine d'après. Je pense que vous l'aurez la semaine d'après. Donc ça, je vais le garder. Parce que comme ça, je pense que je le terminerai. Vu ce qu'il y a dedans. Je pense que là, en 2 ou 3 jours, je vais essayer de le terminer. Je vais le laisser sorti pour le terminer. Comme ça fait partie un petit peu avec ça aussi du un peu projet 10 pounds. Vous savez, un projet où on finit des choses. Je pense que la semaine prochaine, je ferai la dépose. Alors, je voulais revenir dessus. Sur cette main-là, sur la main gauche, ça touche.
aucune capsule ne bouge, aucune capsule ne saute. Sur ma main droite, donc je dois utiliser beaucoup plus que la main gauche puisque je suis droitière, j'en ai deux qui ont sauté, donc notamment celle-ci et celle-ci qui ont sauté. Vous voyez, celle-ci, donc je l'ai refaite hier soir, et celle-ci, je l'ai refaite hier soir aussi. Mais cette fois-ci, j'ai fait différemment. Vous avez vu dans la technique, c'est que dans la vidéo, je mettais du gel, enfin du gummy base, vous pouvez mettre du gel de construction aussi, du gummy base à l'intérieur, et je venais faire adhérer, je venais faire catalyser comme ça. Et là, cette fois-ci, j'ai fait une façon différente. J'ai mis une fine couche d'abord de gummy base sur mon ongle, j'ai catalysé 30 secondes. Et ensuite, je suis venue appliquer, donc avec la même méthode, remplir la capsule à l'intérieur avec pour le point de pression pour faire un petit bombé. Et pareil, donc à voir. Je vais voir si ça tient plus longtemps sur cette main-là. Donc je pense que, et c'est pas tous les ongles parce que celui-ci n'a pas bougé, celui-ci n'a pas bougé. Donc je pense que peut-être que j'ai mis un peu moins de matière, un petit peu moins de pression, peut-être un peu moins catalysé. Donc je ne sais pas. Donc je vais voir, là je me suis commandé sur, faut que je regarde que je vais sûrement me commander sur AliExpress. Donc c'est pas près d'arriver hein, parce que là j'ai reçu un colis hier dans la boîte aux lettres. Ouais, d'AliExpress que j'ai commandé le 6 ou 7 janvier. On est le 23 avril, j'ai reçu hier, 22 avril. Donc ouais, ça a mis quasiment 4 mois à arriver. Mais c'est arrivé. Bon, donc et là hier j'ai refait une commande sur AliExpress. Plein de petites choses pour les ongles, etc. Et j'ai fait un panier sur comment ça s'appelle, Makeup Revolution, donc Revolution Beauty. Autant vous dire que je vais attendre qu'il y ait des promos parce que suite à ma wishlist là et anti-haul Makeup Revolution, eh bien en fait j'ai mis tout ce que j'avais envie dedans parce que ça fait très longtemps que je crois que ça fait depuis le mois de février, je crois que j'ai pas fait de commande sur Makeup Revolution. Je dis je vais mettre tout dedans, comme ça je vais voir à combien, et j'en suis à 168 €. Donc on va attendre qu'il soit du 3 pour 2 pour faire peut-être plusieurs commandes, etc. Ou alors, voilà, on va attendre qu'il y ait une promo parce que là, non, non, 167 €, non, 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 ça va pas être possible, la gars, ça va pas être possible. Bon, je vais aller repréparer une lessive, là j'en ai une qui doit être sèche que je vais plier. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le petit retour de course et puis vous faire voir comment je fais pour désinfecter les produits quand je reviens des courses. Je vais préparer la petite solution parce qu'en général je fais une petite bassine, je mets de l'eau, je mets quelques pchites de javel, un petit peu de produit vaisselle, une petite lavette dedans microfibre, et comme ça je les sors bien et je passe tous mes paquets comme ça avant de les ranger, etc. Et bien sûr après je vais me laver les mains, donc je fais tout ça dans mon garage ou dehors, et puis eh ben, je vous retrouverai tout à l'heure pour vous faire voir comment je fais pour nettoyer mes petites courses en rentrant. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand je suis rentrée des courses et de la pharmacie. Voilà, je suis rentrée, j'ai mis tout ce qui est courses là sur l'extérieur. J'ai fait ma petite préparation ici, comme je vous ai dit, avec un peu de liquide vaisselle, de l'eau chaude et un petit peu de javel. Et je vais venir essorer mon petit chiffon microfibre et je vais passer un petit coup sur chaque paquet en fait. Comme ça, tout ce côté-là, je sais que c'est pas fait. Hop, je passe un petit coup sur chaque paquet. Je mets ce qui est fait d'un côté. Voilà, vraiment petite course, de toute façon pas trop le choix. Le magasin est complètement vide, il n'y a rien, tous les rayons sont vides, donc on n'a pas trop le choix. Voilà, je vais ranger tout ça et puis là on va aller casser la croûte et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est 14 h 10, je vous reprends là. Donc je pense que là, ce petit carrefour là, bah, j'y retournerai pas parce qu'il n'y a rien finalement, il y a plus de choses à Aldi.
Donc voilà, j'ai rangé toutes mes courses, on a cassé la croûte et je suis allée aussi à la pharmacie chercher mes chaussettes de contention. Et on a tellement de chance que va falloir que j'y retourne, mais c'est un truc de malade. Elle me dit oui, on en avait commandé deux, elle me dit malheureusement ils en ont livré qu'une. Il y a une autre dame aussi qui a été concernée, qui est enceinte. Elle attendait deux paires aussi pour là, parce qu'il fait chaud, pour jusqu'à la maternité, etc. J'ai dit, bah ouais, mais j'ai dit, écoutez, on nous dit qu'il faut rester confiné, il faut que je revienne encore une fois. Alors du coup, j'en ai qu'une. J'espère que c'est les bonnes. On essaiera ça, je pense, demain matin. Chaussettes de compression médicale. Donc je vais ouvrir ça. C'est la marque Sig Vamaris. Et je mets un nom qu'à sauter, comme je vous l'ai dit. Il y en a encore un qu'à sauter. Ce matin là en rangeant les courses. Alors je vais essayer d'ouvrir ça proprement, parce que si c'est pas les bons ou quoi qu'est-ce, parce qu'elle me dit oui, une paire ça fait juste, bah oui hein, tu changes de chaussettes tous les jours normalement, donc je pense que je les porterai vraiment les jours il fait très chaud. Bah, j'espère que ça va pas trop me, c'est pas possible, ça peut pas s'étendre jusque en dessous mollet. J'espère qu'elle a pris la bonne taille, parce que ça me paraît super petit. Ouais, ça me paraît super petit. Donc à la base, c'est ça. So sexy. Donc on va tester ça demain. Et puis si ça va pas, bah, la semaine prochaine, voilà, je retournerai la semaine prochaine. Normalement, c'est des chaussettes. Ça arrive en dessous le genou. J'ai un gros doute, les gars. J'ai un gros doute. Et j'ai reçu aussi ma commande, comme je vous l'ai dit, dans le vlog de la semaine dernière. Le vlog de jeudi. Et c'était pas jusqu'au 8 mai. Je me suis fait une infusion au citron. Là, j'ai trouvé des infusions aussi du thé vert au citron. Du coup, j'ai mis un petit peu de miel dedans pour la gorge. Ça me fait du bien. Oui, je vous avais dit que sur le site Nox Parfum, il y avait les promos avec mon code promo qui fonctionnait. C'est pas jusqu'au 8, c'est jusqu'au 10 mai. Donc ça y est, j'ai reçu ma commande. Alors attendez, ça a été super rapide. Les délais là, super rapide. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris trois parfums. Alors j'ai pris le 458. Donc j'ai pris des. En fait, les packagings sont les mêmes pour tous. Sauf qu'à l'intérieur, c'est la taille qui diffère. Donc moi, je vais jeter les packagings. Donc j'ai pris le 458. Je vous mettrai ici le dupe de Coissé. Ça a l'air sans bon. On a le 404 qui est le dupe de mon parfum préféré, c'est-à-dire le hypnotique poison de Dior. Ah, j'adore. Donc vous voyez les petits formats comme ça. Et j'ai pris le 35, je ne sais plus lequel que c'est. Je ne sais plus lequel que c'est. Donc je vous marquerai de toute façon à l'écran les numéros. Et puis de toute façon sur le site vous avez un tableau de correspondance. Donc voilà, j'ai reçu ma commande. Donc en plus petit format comme ça, ça c'est des 30 ml. Sinon vous avez du 50 ml je crois. Du 30 ml, du 50 ml. Donc voilà, je vais tester ça. Et puis le 404, ça c'est sûr que voilà, celui-là, sans problème. Et puis je vais tester les deux autres. Et puis je vous en reparlerai de toute façon tout au long de ce vlog. Donc là, j'ai, comme je vous l'ai dit, je finis de faire une lessive. Et à mon mari qui est reparti faire une bricole, là, vraiment une petite bricole. Vraiment que des bricoles. Je vais essayer de réparer cet ongle-là, mais je pense que... samedi ou dimanche, là je pense que je vais juste le recoller avec de la colle à faux ongles, parce que je ferai la dépose ce week-end, comme ça vous verrez dans le prochain vlog, donc dans le vlog de jeudi, comment je fais la dépose. Voilà, et puis on avait commandé sur Amazon, mais Amazon Business, pas pour la société. Avant le confinement, mon mari avait commandé des gens de, c'est des trucs burins qui se mettent sur le marteau piqueur, enfin je sais pas quoi, il avait trouvé ça sur Amazon, il ne trouvait pas. Et on a commandé ça avant le confinement, c'est-à-dire je crois que le 12 ou le 13 mars. Et là, on a reçu un courrier de la poste qui dit que l'objet est détérioré. Et l'ont reconditionné. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont renvoyé à nous ou s'ils l'ont renvoyé à Amazon. Il n'y comprend rien. Voilà. Donc, je vais faire tout ce que j'ai à faire cet après-midi, mes petites lessives, etc. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. À demain. Hello, on est vendredi. Il est midi et quart. Donc, j'espère que vous allez bien depuis hier, etc., etc., etc. Petit make-up du jour. Comme vous voyez, j'ai fait de la couleur. Et j'ai essayé de faire un dégradé ici de deux différents verts. Je vais vous dire quoi. Quelle palette j'ai utilisée pour ce make-up là.
un peu mieux. Voilà, j'ai fait un dégradé du vert clair, du vert foncé et ici un liner avec le vert pailleté de la The Tribe, de celle-ci, de chez Juvia's. Donc chez Juvia's Place, c'est la The Tribe. Donc j'ai utilisé le fard ici marron pour le dessus, avec un petit peu de celui-là pour le creux, un petit peu de celui-ci pour le creux. Pour les deux tons de vert là que j'ai dégradé, j'ai utilisé donc ceux-là. Celui-ci ici sur la paupière mobile. Et pour faire le liner pailleté, j'ai utilisé celui-ci. Voilà un petit peu pour le make-up du jour. Et pour les lèvres, j'ai mis celui-ci de chez Zoeva. C'est le Natural Aesthetic. Donc, et j'ai mis un tout petit peu de gloss de chez Make-up Revolution par-dessus. On ferait voir ma petite tenue rez-de-chaussée. J'ai mis une petite robe que j'avais achetée l'année dernière chez H&M dans les tons kaki avec un petit collier. Je vous ferai voir tous les petits et je vais vous faire voir les bijoux ici. Ici, c'est une bague de chez la boutique de Lulu qui est en genre de nacre avec une étoile au milieu. J'aime beaucoup. Ici, c'est une de chez AliExpress, un peu même genre. Et je vous ferai voir le reste. Et les boucles d'oreilles ici, c'est celle de chez ma box bijoux, de la box du mois de avril. Voilà, je vous avais partagé la box dans un précédent vlog. Oups, restons là. Donc hier après-midi, j'ai fini tout de ranger ici ma pièce beauté. Donc là, je vais tourner le beauty room tour avec le rangement make-up. Bon, je tournerai cet après-midi puisque là après on va aller manger. Donc je vais faire mon intro, mon outro. Et comme ça, je vais pouvoir vous le filmer. Parce que du coup, hier, j'ai réaménagé des choses, refait des choses, des changements, etc. Donc, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Je voulais aussi vous parler du mascara. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Strange It Out de chez Make-up Revolution. Je suis vachement déçue de ces mascaras-là. Ouais, je suis très, très déçue. Le fond de teint, j'ai mis le jouet cosmétique qui est très joli. Par contre, il marque vachement les pores, donc je vous conseille de vraiment bien le poudrer. Si vous avez une peau sèche, c'est pas la peine. Pour l'highlighter, j'ai mis celui-ci de chez Ofra. Pareil, vous pouvez retrouver sur le site de Beauty Bay. C'est celui qui était en collab avec Nikki Tutorial, le Glazed Donut, qui est sublime. Pour le petit coin interne pailleté, j'ai mis celui-ci de chez Too Faced, qui est le Dazzle, là, celui qui est ultra pailleté ici. Et pour le make-up, j'ai fixé tout ça avec mon cover FX, pareil, que vous pouvez retrouver sur Beauty Bay, qui matifie bien. Et je trouve qu'il fait vraiment bien le job, il matifie bien. Et en parfum, j'ai mis donc le 035 de chez Nox, que je vous ai présenté hier. Donc c'est le dupe du Jean-Paul Gaultier. Et oh là 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 là, j'ai vraiment, c'est très 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 proche, franchement. Et il dure énormément parce que, voilà... Ça fait un petit bout de temps que j'ai fini de me maquiller, etc. Puisque ce matin j'ai fait d'autres choses, etc. Et d'ailleurs j'ai eu les résultats, je vous en parlerai après, de ma prise de sang. Mais voilà, ça c'est sûr que je pense que ça peut faire une super idée cadeau pour la fête des mères et fête des pères. Donc à peaufiner peut-être. Donc oui, je vous disais tout à l'heure, j'ai reçu ma prise de sang hier pour les allergies. Alors a priori, tout est négatif, donc je ne comprends pas, je comprends pas. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous avez fait une prise de sang, que les allergies étaient négatives et que vous êtes allé chez un allergologue pour faire les tests et finalement c'était positif, bah dites-moi le en commentaire parce que je pense que je vais prendre rendez-vous avec un allergo pour voir. Parce que voilà, je suis toute la journée, je suis comme ça, voilà, donc ça passe, on va dire, c'est gênant, mais ça passe. Et le soir, vers 5-6 heures, bah voilà, je suis beaucoup plus prise au niveau au-delà des respiratoires, beaucoup plus de difficultés à avaler, etc. Et je prends l'antihistaminique vers 20 heures, et dans l'heure qui suit, ça me soulage. Donc si l'antihistaminique me soulage, donc voilà, je sais pas, donc... tout est négatif. Alors est-ce qu'on peut avoir des faux négatifs? Est-ce que vous avez déjà été dans ce cas-là avec une prise de sang négative mais positive chez l'allergo? Enfin voilà, c'est un petit peu chiant parce que voilà, du coup, j'ai le chéri cet après-midi qui doit aller faire un dépannage. On a une petite épicerie, il va essayer de repasser devant, voir s'ils n'ont pas du riz. Parce que comme je vous dis hier, il n'y en avait pas. J'ai ce bout là qui rebique là, parce que tout est pas de la même longueur, comme c'est coupé un peu n'importe nawak.
Enfin bref, donc là je vais faire mon outro, mon intro pour le Beauty Room Tour et je me retrouverai au rez-de-chaussée pour faire voir la petite tenue. Comme ça je vous mets tout ça en barre d'infos de ce que j'ai parlé, etc. Voilà, je sens le parfum. J'ai fait juste un pchit comme ça et j'ai mis un petit peu ici comme ça. Ça sent trop trop bon. Allez, je fais mon intro, mon outro et je vous retrouverai au rez-de-chaussée pour la petite tenue du jour. Donc pour la petite tenue, comme je vous le disais, j'ai mis une petite robe que j'avais achetée l'année dernière chez H&M en couleur kaki. Je l'ai aussi en noir et en fleurie. Elle a un petit défaut parce qu'elle est un peu plus courte à droite qu'à gauche. Et en dessous, du coup, pour pas avoir les fesses à l'air, j'ai mis un petit corsaire. Un petit que j'avais eu, c'est chez Dress Lily. Un petit... oh! Caleçon, je vais y arriver. Un petit caleçon avec de la dentelle. Et au pied, bah, je porte les petites chaussures que je vous ai présentées dans le haul action, le mini haul action ou le grand haul action, je sais plus. Voilà. Et j'ai vu apparemment que certains actions allaient rouvrir pour tout ce qui était alimentaire et produits de base. Voilà, on va pas s'y précipiter comme ça. Non, non, non. Et pour le collier, j'ai mis un sautoir comme ça avec un cactus, des étoiles et puis des pierres pour aller avec le kaki. Voilà pour la petite tenue du jour. Donc, il est 1h moins le quart, on va aller casser la croûte. Moi, je ne vais pas manger grand-chose, je suis barbouillée. Donc, comme ça fera du poulet. Mon chéri, il a fait du poulet et des saucisses. Enfin, ce que j'ai trouvé en course, hein, de toute façon. Et puis, j'ai une commande, enfin, j'ai ma commande que j'ai fait depuis le 6 mars sur le site de Maki Beauty qui est enfin arrivée. Donc, je vous montre ça tout à l'heure. Et puis bah, c'est parti, je vous retrouve tout à l'heure. Bon bah voilà, je viens de terminer de tourner le room tour et le rangement make-up. Il est 14h30. Ouh, 14h30, j'ai mis presque 45 minutes à tout tourner. J'ai plus de salive les gars. Donc je me suis fait un petit thé au citron pour me faire du bien là parce que de parler comme ça me tire sur là. Et comme je vous le disais, j'ai reçu une commande Maki Beauty que j'ai passée le 3 ou 4 mars. C'est pour vous dire, j'ai commandé des pigments libres de la marque OPV Beauty. Vous savez, ils ont les petits liners pailletés. Et ils ont sorti les pigments libres. Donc je les ai pris, il y avait... Au moment où il y avait eu, enfin au moment de ma commande, il y avait eu une promo 3 pour 2. Mais il y a des pigments partout, je sens que je m'en fiche partout. Je voyais ça beaucoup plus gros les gars. Alors je vais vous mettre une photo ici de l'Instagram d'OPV, d'OPV, OPV, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je voyais ça beaucoup plus gros. Alors c'est vrai qu'en même temps les pigments il n'en faut pas beaucoup. Donc c'est des couleurs hein, qui pètent, c'est pour faire des make-up assez... qui envoie du lourd hein. Ben voilà, ça aura mis 12 mars, un mois et demi à arriver, donc ça arrive hein, mais ça aura mis du temps quoi. Et je pense que le colis devait être coincé quelque part, il a dû être baladé à droite à gauche, donc bon, le principal c'est que ça arrive hein. On va dire. Alors je prends ma petite poubelle. On va mettre les paquets dedans. Et il y a toujours un petit paquet de bonbons aussi pour, voilà, pour vous remercier de votre commande. Il fait très chaud aujourd'hui. J'ai pas mis mes chaussettes de contention. Peut-être que demain je vais le payer. Mais j'avais envie de mettre une robe. Là il fait chaud à l'étage. Donc j'ai hâte de redescendre. Après je vais tout fermer pour pas que la chaleur rentre. Parce qu'on ne va pas allumer la clim tout de suite. Hein. Ouais, là il fait 23. Il fait moins chaud qu'hier quand même. Mais on était toujours plus chaud, nous, dans la maison, à l'étage. Alors, voyons voir comment que c'est fichu. Mais vu déjà la taille de l'emballage, ça me paraît tout riquiqui. Tout riquiqui. Tout riquiqui. En effet, c'est vraiment pas gros du tout. Je voyais ça beaucoup plus gros quand même, en fait. Bon, ils sont remplis à ras-bord, ceci dit. Donc, je vais pas trop faire de bêtises. Je vous mettrai une photo juste ici Une photo de comment s'appelle du site OPV. Donc soit vous l'utilisez comme ça pur sur une base humide ou alors vous mettez avec un petit peu de comment s'appelle de mix comme ça de chez Makeup Revolution
pour pouvoir bien les faire les travailler. Donc le verre, il crache le verre. Oh là là, il est magnifique. Alors on va essayer de refermer sans faire de bêtises. Donc on a le verre comme ceci. Donc celui-ci, c'est le Rapture. Bon, je ne vais pas garder les packagings, ça ne sert à rien. Ensuite, j'ai pris le... C'est quoi comme teint? Le Purple. Pas si je les ai tous pris. Je sais plus si je les ai tous pris ou pas. Ouh, le Purple, il est beau. Regardez ça, comment c'est beau. Il est sublime. Très, très joli. Ensuite, le Sun Up. Je crois que j'ai essayé de prendre un petit peu de chaque couleur, du bleu, du jaune, du vert, du orangé. Les packagings sont chiants à ouvrir. Donc ça, j'ai dit que c'était le Sun Up. Donc logiquement, ça doit être un jaune ou orangé. C'est un orange, mais alors la caméra ne rend pas justice parce que c'est beaucoup plus peps que ça. Ensuite, on a le 004. Qui doit être un bleu vu l'état de la couleur. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il était ouvert. Donc le 004 qui est un bleu, voilà. Là, je pense que c'est un rose vu qu'il y en a partout dans le packaging. J'espère que celui-là il n'est pas ouvert. Oh, bah si, c'est ce que je craignais. Celui-ci il a dû s'ouvrir. Il y en a partout les gars. Ici, il a dû s'ouvrir. Alors, au lieu de mettre un packaging, les gars, autour, mettez un packaging dedans. Alors, celui-là, j'en ai perdu les trois quarts. Celui-ci. C'est dommage, la caméra ne rend pas justice parce que, franchement, les couleurs, là, ça pète. Regardez ça, ça rend pas justice. Là, c'est carrément fluo sur mes mains. Ah, si, là, on voit un petit peu mieux. Vous voyez, c'est carrément fluo. Donc ça, c'est le Lolite. Donc le Lolite, il crache. Donc vous voyez, j'en ai déjà perdu beaucoup. Il y en a plein le packaging. C'est dommage, c'est dommage. Et le dernier que j'ai pris, c'est le... Donc ça doit être un jaune. C'est le Infinite. Alors un jaune ou un vert. Alors c'est pareil, celui-là, il a dû couler un max. Voilà, au lieu de mettre un packaging sur ça, alors il faut lui mettre un packaging là-dessus, ça aurait été beaucoup plus simple. Ouais, c'est un jaune, mais ça crache, hein. Donc, bah, hâte de faire un make-up avec, avec ces petites choses-là. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont pleins, archi, ils sont archi pleins. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Par contre, voilà, c'est tout en foutre partout. Ouais, donc bah, hâte de faire des make-up avec ça. De toute façon, vous les verrez ici, dans les vlogs ou sur Instagram. Je vais essayer de bien secouer les pots avant de les mettre... pour test, hein. Voilà, ça va déjà. Le rose, là, il en a partout. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Depuis le temps que je les attendais, hein, depuis le temps, mais bon. Finalement, ça a été plus rapide. Mais je crois que c'est parce que, en fait, j'avais mis livraison en mondial relais. Comme les mondial relais ont fermé, j'ai pas eu de message tout de suite me disant que ma commande était en attente. Et je me suis dit, quand même, ça fait plus de 3 semaines que j'ai commandé sur Maki Beauty. J'ai toujours en rien, c'est quand même étonnant. Puis je suis allée voir. Alors comme le site est en espagnol, je parle espagnol couramment, c'est sûr. Je me suis dit, il faut aller voir le traducteur, ce que ça veut dire en attente. Donc je leur ai envoyé un message en français. Et puis ils m'ont renvoyé qu'ils attendaient par quel moyen je voulais que ma commande soit expédiée. Donc bah, j'ai mis par DPD et puis apparemment c'est arrivé ce matin dans la boîte aux lettres. Parce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, c'est toi qui as réceptionné le colis. Il me dit non, non, il me dit je suis allée au courrier et il y avait ça dans la boîte aux lettres. Donc bah, c'est à tester ces petites choses-là. Donc je vais regarder ce que je vais essayer de faire comme make-up. Peut-être que je vous ferai un make-up demain si j'ai pas les yeux trop collés. Aujourd'hui ça allait, donc je me suis dit je vais pouvoir me maquiller. On prend au jour le jour, hein, les gars. Hein. Donc là il est. Quelle heure est-il? Il est 14h36. Je vais commencer déjà à monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Je vais monter également là ce que j'ai tourné pour la Beauty Room Tour que vous verrez mardi. Donc comme ça,
Vous verrez ça, je suis en train de regarder en même temps les petits messages que vous êtes en train de me laisser sur Instagram. Normalement, j'ai liké toutes les photos. Je lis tout, hein, tous les messages que vous m'envoyez sur Instagram, que ce soit en message privé ou que ce soit en petit commentaire quand vous commentez une de mes photos. Je like, hein, je réponds pas forcément à tout le monde parce que des fois il y a beaucoup de commentaires et comme j'ai pas mal de commentaires sur tous les réseaux, je peux pas répondre tout. C'est pas facile de gérer tout ça, sinon je ferai plus rien d'autre. Mais je like, ça veut dire j'ai lu. Comme YouTube, des fois je réponds, des fois je réponds pas, des fois je like. Si je like, c'est que j'ai like et je mets un petit pouce, c'est que j'ai lu le commentaire. Je lis tous les commentaires, j'essaye d'y répondre à tous, mais c'est pas forcément facile de répondre quand il y en a beaucoup. Mais j'essaye de répondre à tous les commentaires. Donc, je vais aller bosser un petit peu. Et puis. 27 mars, bah oui, mais c'est très long. Là, j'ai une d'entre vous qui est en train de lire un commentaire sur YouTube. Je pense que ça doit être une commande Make-up Révolution. Ça doit être ça, je pense. Depuis le 27 mars, oui, c'est très long. C'est long partout, c'est normal. Il faut que l'économie redémarre hein, parce que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je pense que les papiers comptables de ce mois d'avril vont aller très très vite. Là, j'ai reçu les fiches de paye, donc il faut que je les vérifie, voir si tout est OK. Et puis que je fasse les virements de salaire et tout ça, qui vont pas être très lourds ce mois-ci, puisque pour que, bah, que la société s'en sorte, puisqu'on n'a pas, on n'a pas, quasiment pas travaillé. Donc, ouais, ça va être dur ces prochains mois, je pense. Pour l'instant, c'est toujours pas si on part au Portugal. Je pense que ça va être. Reporté, je sais pas trop comment on va faire puisqu'on n'avait pas pris d'assurance pour les billets. Je sais pas trop comment. Voilà, donc on va attendre, je pense, le 31 mai pour savoir. On avait loué des Airbnb sur place. Donc les Airbnb, peut-être qu'on peut les reporter pour l'année prochaine à s'arranger avec la personne de Airbnb pour voir si on peut pas les reporter pour l'année prochaine avec une date. Mais les billets d'avion, la location de voiture, ouais, je sais pas trop comment on va faire. Donc bah, si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez fait ça, parce que nous on a pris des vols avec bagages cabine pour tout le monde, sauf pour moi et ma mère. Voilà, on est des femmes, alors on emmène plein de trucs. Et comme on partait quand même 14 ou 15 jours au Portugal, donc c'est vrai que moi j'emmène ma maison à chaque fois. Hein. Et donc on sait pas trop comment ça va se goupiller. On partait avec la Transavia. Oui, c'est Transavia ou TAP Portugal, je sais plus. Non, c'est Transavia, je crois. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu recours à quelque chose. Est-ce que, comme nous, on a pris les billets le premier prix, quoi. Enfin voilà. Donc on ne sait pas trop. On verra comment ça va s'avancer d'ici là. Là, Enzo, lui, il a des cours, il a des devoirs à faire et ils ont des cours par Zoom, là, Zoom en conférence ou je sais pas quoi. Donc là, il a un cours de maths à 16h, le mardi et le vendredi, en visio. Il a un cours d'anglais tous les mardis, donc soit le matin, soit l'après-midi, pareil en visio. Donc je pense que c'est ce qui va se goupiller comme ça, et je trouve c'est aussi bien que de rouvrir les écoles. Voilà, enfin pour ma part, c'est mon avis, parce que tous les autres pays ont fermé les écoles, ce jusqu'au mois de septembre, et il n'y a que la France. Voilà, allez, 11 mai, tout le monde est là. Voilà. Bon. Je vais éteindre tout ça parce que j'ai chaud là derrière les éclairages. Je vais aller bosser un petit peu. Et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. À demain. Hello, on est samedi. Il est 11h15. Je viens de finir de préparer tout ce qu'il faut pour faire la vidéo haul AliExpress que vous aurez prochainement. Je me suis maquillée aujourd'hui avec justement un produit que je vous présenterai dans le haul AliExpress. Donc je vous la montre là puisque je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est cette palette-là de la marque You Can Be qui est magnifique, qui est un dupe, je crois, de Huda Beauty. Je vous remettrai le nom ici. Qui se présente comme ceci. Ces fards-là sont ultra crémeux. Hein. J'ai utilisé ces trois fards-là plus. En fait, j'ai utilisé ces quatre fards-là. Ceux-là sont ultra crémeux à prélever avec un goupillon en mousse ou un goupillon en silicone. Je vais me rapprocher un petit peu que vous puissiez voir le make-up. Vous l'avez vu de toute façon sur Instagram. Et pour les lèvres, j'ai mis le Matte Arc-en-Ciel, le Oriental Mauve. Et par-dessus, j'ai mis un gloss
de chez Pixi, c'est celui qui est en collab avec Laure Morello et c'est le parfait. Le fond de teint, le Jouvia Splash, là je l'ai appliqué à l'éponge et je dois dire qu'il est beaucoup mieux appliqué à l'éponge qu'au pinceau. Je dois dire. Et toujours mon Sun Kiss pour l'highlighter qui est toujours en dispo, j'ai vérifié et il est plus sous ce format là en gold comme ça, mais il est encore dispo, donc je vous le mets en barre d'infos de chez Makeup Revolution. C'est le Ice Kiss et franchement, regardez ça, petite boucle d'oreille violette, les petits accessoires je vous les montrerai après quand j'aurai terminé de tourner, quand on sera au rez-de-chaussée. Et puis c'est parti, là je vais tourner le petit haul AliExpress et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure quand c'est terminé. Voilà, je viens de terminer de tourner le petit... Oups là. Tu flouxes les gars. Donc je viens de finir de tourner le haul AliExpress. Là ça c'est fait, donc je vais pouvoir tout ranger. Et autant vous dire, il y a du lourd. Il y a du lourd, oui. Je vais aller faire mes petites photos pour Instagram du make-up. Comme ça vous verrez ça en lumière du jour. Je vais mettre ma petite chemise. Ouais, je vais faire les petites photos, je vais vous faire voir le make-up en lumière du jour aussi. Pourquoi pas ici, c'est tout gris aujourd'hui. C'est tout gris, tout gris, tout gris. Je vais aller reprendre un Doliprane accessoirement parce qu'aujourd'hui j'ai les sinus, voilà, c'est carabiné. Voilà, c'est vraiment, je pense que je suis vraiment me demander si c'est vraiment des allergies du coup. Je pense que je vais faire 3 semaines, 1 mois, comme je vous ai dit, d'antihistaminique, là, voir si ça a du bon ou pas. Et sinon, je reprendrai rendez-vous avec mon médecin pour qu'il me fasse une lettre pour faire un bilan ORL, parce que je pense que là, va falloir qu'il y ait un bilan ORL de fait, parce que ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout, les gars. Également aussi, bonne nouvelle, hier soir, à 19h, on a été très surpris, ça sonne à la maison. On s'est dit, mais qui c'est qui sonne à cette heure-là, à 19h, un client ou quoi? Et c'était quelqu'un de la chambre des métiers. Je vais en profiter en même temps pour en même temps que je parle pour éteindre les lumières. C'était quelqu'un de la chambre des métiers donc de l'Essonne. Apparemment qui venait de Étampes. Normalement on dépend de celle d'Evry, nous. Et qui venait nous amener des masques chirurgicaux pour la reprise d'activité. Donc moi mon mari travaillait avec les masques que j'avais pour faire les ongles. Et puis. Vous voyez le make-up là en lumière du jour, je suis devant la fenêtre. Et ils ont dû nous amener 50 masques. Donc franchement, vraiment chouette la chambre des métiers. J'avais rempli un questionnaire il y a 8-10 jours pour nous demander combien il y avait de salariés dans l'entreprise, etc. Et si on avait vraiment besoin de masques, bah j'ai oui parce qu'on fait que du particulier. Et nous ont emmené 50 max, donc un masque par jour, ça va permettre de nous travailler quasiment 1 mois et demi avec, donc c'est cool. Parce que bah, les autres, les noirs que j'avais, commençaient à... Et mon mari ne veut pas travailler avec ceux en tissu, il préfère des choses jetables. Voilà, il me dit si je vais chez des personnes à risque, je préfère jeter, en avoir dans le camion et jeter. Voilà, donc du coup, bah, on est content. Donc bah, je vais ranger tout le bazar qui a là du haul AliExpress et je vous retrouve au rez-de-chaussée. Là j'ai mis un petit top qui vient de chez Pouche, je sais plus, ça fait des années que j'ai ce truc là. J'ai mis, c'est quoi, j'ai là une peluche, j'ai mis un petit collier ici de chez ma box bijoux avec des petites extensions de chaîne et j'ai mis celui-ci. Là c'est une bague ma box bijoux, là je crois que c'est des bracelets de chez Action et de ce côté là c'est du ma box bijoux aussi. Donc voilà, voilà. Je pense qu'aujourd'hui le vlog va être très court parce que cet après-midi je vais faire du riz au lait, je crois. Donc je vous retrouve de toute façon tout à l'heure au rez-de-chaussée pour faire du riz au lait parce que j'ai envoyé mon mari. On a une petite épicerie de quartier et je lui dis oui, on n'a plus de pommes de terre, j'en ai pas trouvé au petit carrefour. Donc est-ce que tu peux regarder aussi s'il y a du riz? Pour bah voilà, j'avais plus de riz non plus, j'en ai pas trouvé qu'il puisse reprendre. Donc du coup il a repris des chips, il a repris des bananes, il a repris plein de petites choses comme ça. Et quand il est rentré je lui dis bon, s'il y a du riz tu m'en prends 2 kilos surtout parce qu'on a du mal à en trouver. Si on a, il est rentré avec du riz rond, le gars. Et je lui dis mais non, le riz rond c'est pour faire les desserts, donc on va tenter pour voir si on peut le manger comme ça. Mais donc du coup bah, je vais faire du riz au lait je pense avec cet après-midi pour les goûter pour les desserts. Et
Et j'ai rigolé parce qu'il me dit oui, il me dit il y avait du riz, mais 500 grammes, 6,50 €. Ben, j'ai oui, j'ai dit, ils en profitent. Hein. Et comme il n'y en a pas beaucoup, ben, ils en profitent. Donc non, 6,50 €, 500 grammes de riz long, non, ça va pas le faire. Hein. Donc je vous retrouve, je range tout ça, là, tout ce qu'il y a le bazar derrière moi. Et je vous retrouve tout à l'heure pour faire la petite recette du riz au lait. Et mon chéri avait fait un barbecue hier, donc ce midi on va manger le reste du barbecue. Et il a pris des petites chips avec, donc voilà. Alors niveau équilibre, c'est pas terrible. On mange ce qu'il y a, on mange ce qu'on a dans les placards. Pour faire équilibrer, c'est très compliqué. Donc je pense que quand on va avoir un semblant de revenu à la normale, moi je vais reprendre parce que du coup ma prise de sang au niveau triglycérides et cholestérol, c'est catastrophique. Oui, on mange plein de merde là. Donc et qu'elle était bien pourtant il y a 6 mois. Donc voilà, on va reprendre tout ça après après un ressemblant de vie normale, on va dire. Là, on fait un petit peu avec les moyens du bord. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Les légumes, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez vu comment le prix des légumes a grimpé. Il a été chercher. Je vous ai dit, il est allé chercher des courgettes la semaine dernière, il y a 15 jours. C'est pareil. Le prix des légumes, des fruits et légumes, ça devient un luxe. Donc voilà. Donc on va faire avec ce qu'on a et on reviendra à des choses un petit peu plus saines, on va dire, healthy, après tout ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure au rez-de-chaussée pour la petite recette du riz au lait. Donc, je vous reprends, il est 14 h, je vous pose. On va faire le riz au lait, mais on va faire du riz au lait au chocolat. J'ai trouvé une recette là sur un groupe que je suis inscrite sur Facebook, au Cookéo. Je vais tester, j'ai jamais fait le riz au lait au Cookéo. Je vous mettrai une petite capture d'écran là de la recette, comme ça vous pourrez faire une capture d'écran. Il vous faut donc 300 g de riz rond, 1 litre de lait, moi j'ai mis du demi-écrémé, 75 g de sucre blanc, enfin du sucre, un sachet de sucre vanillé et une tablette de chocolat noir, donc 200 g. Et il vous faut 150 ml de lait froid pour après, pour la fin de la recette. Donc je vous montre tout ça, c'est vraiment très simple, hein. Il suffit de mélanger déjà tous les premiers ingrédients que je vous ai dit, de mettre 20 minutes sous pression dans le Cookéo, et une fois que c'est cuit, on rajoute les 150 ml de lait froid, on lit le tout et on met dans un saladier ou des petits pots. Donc c'est parti, je vais voir ça avec moi. Bon, il est en train de faire la fin de cuisson et là il est en train d'enlever toute la vapeur. On va voir ce que ça donne quand on va ouvrir. J'espère que ça va pas tout cramer. Enfin, c'est un test, j'ai jamais fait de riz au lait au Cookéo. Habituellement je le fais au Thermomix. Bon, arrêt. Attention la vapeur. C'est ce que je m'en doutais, que le chocolat allait avoir un petit peu attaché, donc où c'est chaud. On va bien mélanger. Ça m'a l'air d'être cuit. Alors on va quand même mélanger pour que le chocolat fonde bien. Je vais me rapprocher un petit peu parce que je m'étais éloignée un petit chouille. Voilà, je vais bien mélanger, vous voyez. Et je pense que je vais mettre dans mon saladier pour lier le tout avec le lait froid. Ajouter mes 150 ml de lait froid pour lier le tout, hein, pour que ça soit moins moins épais. Je vais mettre au fur et à mesure, ça a bien le temps de se diluer. Il y en a pour un régiment, les gars, hein. Donc si vous voulez diminuer la recette, je pense que la recette par deux, c'est pas mal aussi. Et voilà, j'ai rajouté tout le lait, donc je vais bien mélanger, bien lier. Puis on va bien laisser refroidir avant de mettre au frigo. Et ça fera les desserts et le goûter, je pense, demain. Au chocolat. Je viens juste de goûter comme ça, c'est excellent. Et c'est encore meilleur froid. Et le riz est bien cuit.
Donc voilà, je vous ai mis la petite recette en capture. J'espère que ces quelques jours avec moi vous ont plu. On se retrouve donc mardi pour le Beauty Room Tour que vous attendiez. Jeudi pour un nouveau vlog. Donc, mais ça a l'air prometteur ce riz au lait. Allez, ciao, ciao!